Tombouctou. Le boulevard, ce fleuve de vie, grouillait dans la poudre d'or du soleil couchant. Tout le ciel était rouge, aveuglant. Et derrière la Madeleine, une immense nuée flamboyante jetait dans toute la longue avenue une oblique averse de feu, vibrante comme une vapeur de brasier. La foule, gaie, palpitante, allait sous cette brume enflammée et semblait dans une apothéose. Les visages étaient dorés, les chapeaux noirs et les habits avaient des reflets de pourpre. Le vernis des chaussures jetait des flammes sur l'asphalte des trottoirs. Devant les cafés, un peuple d'hommes buvait les boissons brillantes et colorées qu'on aurait prises pour des pierres précieuses fondues dans le cristal. Au milieu des consommateurs, aux légers vêtements plus foncés, deux officiers en grande tenue faisaient baisser les yeux par l'éblouissement de leur dorure. Ils causaient, joyeux sans motif, dans cette gloire de vie, dans ce rayonnement radieux du soir. Et ils regardaient contre la foule les hommes lents et les femmes pressées qui laissent derrière elles une odeur savoureuse et troublante. Tout à coup, un nègre énorme, vêtu de noir, ventru, chamarré de breloques sur un gilet de coutil, la face luisante comme si elle eût été cirée, passa devant eux avec un air de triomphe. Il riait aux passants, il riait aux vendeurs de journaux, il riait au ciel éclatant, il riait à Paris entier. Il était si grand qu'il dépassait toutes les têtes, et derrière lui, tous les badauds se retournaient pour le contempler de dos. Mais soudain, il aperçut les officiers. Et, culbutant les buveurs, il s'élança. Dès qu'il fut devant leur table, il planta sur eux ses yeux luisants et ravis, et les coins de sa bouche lui montèrent jusqu'aux oreilles, découvrant ses dents blanches, claires comme un croissant de lune dans un ciel noir. Les deux hommes, stupéfaits, contemplaient ce géant d'ébène, sans rien comprendre à sa gaieté. Et il s'écria d'une voix qui fit rire toutes les tables : « Bonjour, mon lieutenant !» Un des officiers était chef de bataillon, l'autre colonel. Le premier dit « Je ne vous connais pas, monsieur, j'ignore ce que vous me voulez. » Le nègre reprit « Moi aimais beaucoup toi, lieutenant Védier, siège Bézi, beaucoup raisin, cherchez-moi. » L'officier, tout à fait éperdu, regardait fixement l'homme, cherchant au fond de ses souvenirs. Mais brusquement, il s'écria « Tombouctou ?» Le nègre radieux tapa sur sa cuisse en poussant un rire d'une invraisemblable violence et beuglant. « Si, si, ya, mon lieutenant, reconnais Tombouctou, ya, bonjour !» Le commandant lui tendit la main en riant lui-même de tout son cœur. Alors Tombouctou redevint grave. Il saisit la main de l'officier et si vite que l'autre ne put l'empêcher, il la baisa selon la coutume nègre et arabe. Confus, le militaire lui dit d'une voix sévère « Allons, Tombouctou, nous ne sommes pas en Afrique. Assieds-toi là et dis-moi comment je te trouve ici. » Tombouctou tendit son ventre et, bredouillant tant qu'il parlait vite, « Gagnez beaucoup d'argent, beaucoup, grand restaurant, bon manger, prussien, moi beaucoup volé, beaucoup, cuisine française, Tombouctou cuisinier de l'Empereur, 200 000 francs à moi, ah 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 !» Et il riait, tordu, hurlant avec une folie de joie dans le regard. Quand l'officier, qui comprenait son étrange langage, l'eut interrogé quelque temps, il lui dit « Eh bien, au revoir, Tombouctou, à bientôt !» Le nègre aussitôt se leva, serra cette fois la main qu'on lui tendait, et riant toujours, cria « Bonjour, bonjour, mon lieutenant !» Il s'en alla, si content qu'il gesticulait en marchant et qu'on le prenait pour un fou. Le colonel demanda « Qu'est-ce que c'est que cette brute ?» Le commandant répondit « Un brave garçon et un brave soldat. Je vais vous dire ce que je sais de lui. C'est assez drôle. Vous savez qu'au commencement de la guerre de 1870, je fus enfermé dans Bézières, que ce nègre appelle Bézi. Nous n'étions point assiégés, mais bloqués. Les lignes prussiennes nous entouraient de partout, hors de portée des canons, ne tirant pas non plus sur nous, mais nous affamant peu à peu. J'étais alors lieutenant,
Notre garnison se trouvait composée de troupes de toute nature, débris de régiments écharpés, fuyards, maraudeurs séparés des corps d'armée. Nous avions de tout, enfin. Même 11 Turcos arrivaient un soir, on ne sait comment, on ne sait par où. Ils s'étaient présentés aux portes de la ville, harassés, déguenillés, affamés et saouls. On me les donna. Je reconnus bientôt qu'ils étaient rebelles à toute discipline, toujours dehors et toujours gris. J'essayai de la salle de police, même de la prison, rien n'y fit. Mes hommes disparaissaient des jours entiers, comme s'ils se fussent enfoncés sous terre, puis reparaissaient, ivres à tomber. Ils n'avaient pas d'argent. Où buvaient-ils? Et comment? Et avec quoi? Cela commençait à m'intriguer vivement, d'autant plus que ces sauvages m'intéressaient avec leur rire éternel et leur caractère de grands enfants espiègles. Je m'aperçus alors qu'ils obéissaient aveuglément au plus grand d'eux tous, celui que vous venez de voir. Ils les gouvernaient à son gré, préparaient leurs mystérieuses entreprises en chef tout-puissant et incontesté. Je le fis venir chez moi et je l'interrogeai. Notre conversation dura bien 3 heures, tant j'avais de peine à pénétrer son surprenant charabia. Quant à lui, le pauvre diable, il faisait des efforts inouïs pour être compris, inventait des mots, gesticulait, suait de peine, s'essuyait le front, soufflait, s'arrêtait et repartait brusquement quand il croyait avoir trouvé un nouveau moyen de s'expliquer. Je devinai enfin qu'il était fils d'un grand chef, d'une sorte de roi nègre des environs de Tombouctou. Je lui demandai son nom. Il répondit quelque chose comme « Chavari Bouali Kanafototopolara ». Il me parut plus simple de lui donner le nom de son pays, Tombouctou. Et 8 jours plus tard, toute la garnison ne le nommait plus autrement. Mais une envie folle nous tenait de savoir où cet ex-prince africain trouvait à boire. Je le découvris d'une singulière façon. J'étais un matin sur les remparts, étudiant l'horizon, quand j'aperçus dans une vigne quelque chose qui remuait. On arrivait au temps des vendanges, les raisins étaient mûrs, mais je ne songeais guère à cela. Je pensais qu'un espion s'approchait de la ville, et j'organisai une expédition complète pour saisir le rôdeur. Je pris moi-même le commandement après avoir obtenu l'autorisation du général. J'avais fait sortir, par 3 portes différentes, 3 petites troupes qui devaient se rejoindre auprès de la vigne suspecte et la cerner. Pour couper la retraite à l'espion, un de ces détachements avait à faire une marche d'une heure au moins. Un homme resté en observation sur les murs m'indiqua par signe que l'être aperçu n'avait point quitté le champ. Nous allions en grand silence, rampant, presque couchés dans les ornières. Enfin, nous touchons au point désigné. Je déploie brusquement mes soldats qui s'élancent dans la vigne et trouvent Tombouctou, voyageant à 4 pattes au milieu des ceps et mangeant du raisin. Ou plutôt, happant du raisin comme un chien qui mange sa soupe, à pleine bouche, à la plante même, en arrachant la grappe d'un coup de dent. Je voulus le faire relever. Il n'y fallait pas songer, et je compris alors pourquoi. Il se traînait ainsi sur les mains et sur les genoux. Dès qu'on l'eut planté sur ses jambes, il oscilla quelques secondes, tendit les bras et s'abattit sur le nez. Il était gris comme je n'ai jamais vu un homme être gris. On le rapporta sur 2 échalas. Il ne cessa de rire tout le long de la route en gesticulant des bras et des jambes. C'était là tout le mystère. Mais Gaillard buvait au raisin lui-même. Puis, lorsqu'ils étaient saouls à ne plus bouger, ils dormaient sur place. Quant à Tombouctou, son amour de la vigne passait toute croyance et toute mesure. Il vivait là-dedans à la façon des grives, qu'il haïssait d'ailleurs d'une haine de rival jaloux. Il répétait sans cesse « Les guives, mangez tout le raisin, capule !» Un soir, on vint me chercher. On apercevait par la plaine quelque chose arrivant vers nous. Je n'avais point pris ma lunette et je distinguais fort mal. On eût dit un grand serpent qui se déroulait. Un convoi, que sais-je? J'envoyai quelques hommes au-devant de cette étrange caravane, qui fit bientôt son entrée triomphale. Tombouctou et 9 de ses compagnons portaient sur une sorte d'autel,
fait avec des chaises de campagne, 8 têtes coupées, sanglantes et grimaçantes. Le 10e turco traînait un cheval, à la queue duquel un autre était attaché, et 6 autres bêtes suivaient encore, retenues de la même façon. Voici ce que j'appris. Étant partis aux vignes, mes Africains avaient aperçu tout à coup un détachement prussien s'approchant d'un village. Au lieu de fuir, ils s'étaient cachés. Puis, lorsque les officiers eurent mis pied à terre devant une auberge pour se rafraîchir, les 11 gaillards s'élancèrent, mirent en fuite les Uhlans qui se crurent attaqués, tuèrent les 2 sentinelles, plus le colonel et les 5 officiers de son escorte. Ce jour-là, j'embrassai Tombouctou. Mais je m'aperçus qu'il marchait avec peine. Je le crus blessé. Il se mit à rire et me dit « Moi, provision Poupaï !» C'est que Tombouctou ne faisait point la guerre pour l'honneur, mais bien pour le gain. Tout ce qu'il trouvait, tout ce qui lui paraissait avoir une valeur quelconque, tout ce qui brillait surtout, il le plongeait dans sa poche. Quelle poche ! Un gouffre qui commençait à la hanche et finissait aux chevilles. Ayant retenu un terme de troupier, il l'appelait « sa profonde ». Et c'était sa profonde, en effet. Donc il avait détaché l'or, les uniformes prussiens, le cuivre des casques, les boutons, etc., et jeté le tout dans sa profonde, qui était pleine à déborder. Chaque jour, il précipitait là-dedans tout objet luisant qui lui tombait sous les yeux, morceaux d'étain ou pièces d'argent, ce qui lui donnait parfois une tournure infiniment drôle. Il comptait remporter cela au pays des autruches, dont il semblait bien le frère, ce fils de roi torturé par le besoin d'engloutir les corps brillants. S'il n'avait pas eu sa profonde, qu'aurait-il fait? Il les aurait sans doute avalés. Chaque matin, sa poche était vide. Il avait donc un magasin général où s'entassaient ses richesses, mais où je ne l'ai pu découvrir. Le général, prévenu du haut fait de Tombouctou, fit bien vite enterrer les corps demeurés au village voisin, pour qu'on ne découvrît point qu'ils avaient été décapités. Les Prussiens y revinrent le lendemain. Le maire et 7 habitants notables furent fusillés sur le champ par représailles, comme ayant dénoncé la présence des Allemands. L'hiver était venu. Nous étions harassés et désespérés. On se battait maintenant tous les jours. Les hommes affamés ne marchaient plus. Seuls les 8 Turcos, 3 avaient été tués, demeuraient gras et luisants, vigoureux et toujours prêts à se battre. Tombouctou engraissait même. Il me dit un jour « Toi, beaucoup faim, moi, bon viande !» Et il m'apporta en effet un excellent filet. Mais de quoi ? Nous n'avions plus ni bœuf, ni mouton, ni chèvre, ni âne, ni porc. Il était impossible de se procurer du cheval. Je réfléchis à tout cela après avoir dévoré ma viande. Alors, une pensée horrible me vint. Ces nègres étaient nés bien près du pays où l'on mange des hommes. Et chaque jour, tant de soldats tombaient autour de la ville. J'interrogeai Tombouctou. Il ne voulut pas répondre. Je n'insistai point. Mais je refusai désormais ses présents. Il m'adorait. Une nuit, la neige nous surprit aux avant-postes. Nous étions assis par terre. Je regardais avec pitié les pauvres nègres grelottant sous cette poussière blanche et glacée. Comme j'avais grand froid, je me mis à tousser. Je sentis aussitôt quelque chose s'abattre sur moi, comme une grande et chaude couverture. C'était le manteau de Tombouctou qu'il me jetait sur les épaules. Je me levai et, lui rendant son vêtement, « Garde ça, mon garçon, tu en as plus besoin que moi. » Il répondit, « Non, non, mon lieutenant, pou-toi, moi pas besoin, moi chaud, chaud. » Et il me contemplait avec des yeux suppliants. Je repris, « Allons, obéis, garde ton manteau, je le veux. » Le nègre alors se leva, tira son sabre, qu'il savait rendre coupant comme une faux, et tenant de l'autre main sa large capote que je refusais, « Si toi pas gadé manteau, moi coupé, pessonne manteau. » Il l'aurait fait. Je cédais. 8 jours plus tard, nous avions capitulé. Quelques-uns d'entre nous avaient pu s'enfuir. Les autres allaient sortir de la ville et se rendre au vainqueur. Je me dirigeais vers la place d'armes où nous devions nous réunir, quand je demeurai stupide d'étonnement devant un nègre géant, vêtu de coutil blanc et coiffé d'un chapeau de paille.
C'était Tombouctou. Il semblait radieux et se promenait, les mains dans les poches, devant une petite boutique où l'on voyait en montre deux assiettes et deux verres. Je lui dis « Qu'est-ce que tu fais ?» Et il répondit « Moi, papati, moi, bon cuisinier, moi, fais manger colonel, Algérie, moi, manger prussien, beaucoup volé, beaucoup. » Il gelait à 10 degrés. Je grelottais devant ce nègre en coutil. Alors, il me prit le bras et me fit entrer. J'aperçus une enseigne démesurée qu'il allait pendre devant sa porte, sitôt que nous serions partis, car il avait quelque pudeur. Et je lus, tracé par la main de quelques complices, cet appel. « Cuisine militaire de Monsieur Tombouctou, ancien cuisinier de Sa Majesté l'Empereur, artiste de Paris, prix modéré. » Malgré le désespoir qui me rongeait le cœur, je ne pus m'empêcher de rire, et je laissai mon nègre à son nouveau commerce. Cela ne valait-il pas mieux que de le faire emmener prisonnier ? Vous venez de voir qu'il a réussi, le gaillard. Bézières, aujourd'hui, appartient à l'Allemagne. Le restaurant Tombouctou est un commencement de revanche. »